Alors, pirate, tu me fais la gueule? Allez, amène-toi, on va régler ça à coups de caresse. Tu me fais vraiment la gueule? Stan! Est-ce qu'il va me la donner, cette sacrée réponse, ou est-ce qu'il me croit déjà mort? Pour le moment, j'ai rien. Stan? Je vais te filer ma montre. Un petit cadeau, juste histoire que t'oublies pas, mon vieux copain. J'en veux plus. Si elle te plaît pas, t'as qu'à la donner une vente de charité, j'en ai rien à foutre. Jusqu'à présent, t'as fait preuve de courage. Et t'as pas envie de sortir d'ici comme un lâche, j'imagine. Tu l'as entendu se planquer? Raymond Hems nous a adressé sa requête en bonne et due forme. Aucune loi ne l'interdit. Accédons à sa demande. Honorons nos valeurs traditionnelles. L'application de la justice au grand jour, on rabâche ça sans arrêt aux gens. En outre, si on espère avoir un effet dissuasif, ouvrons la porte sur les exécutions de nuit. Cela risque de troubler l'ordre public. En politique, ça s'appelle une bombe. Au contraire, c'est judicieux, Bobby. Très judicieux. Oui, si l'on montre aux criminels en herbe ce qu'est la chaise électrique, ils refouleront peut-être leur mauvais instinct. Nous sommes en train de parler d'un homme qui serait électrocuté en présence de la télévision, gouverneur. Non, ce n'est pas le cas. Tiens, convoquez-moi le directeur. Ils t'ont refusé la télévision. Ils n'ont pas de couilles au cul. C'est une bande de demi-sœurs. Ils sont d'accord pour t'offrir un photographe. Un témoin officiel sera autorisé à photographier ton exécution. T'es sûr que c'est bien ce que tu veux? Oui. Alors donne-moi un nom, c'est ton témoin, tu choisis. Je connais aucun photographe, désolé. Si je demandais à Hamilton ou même à Helmut Newton, tu crois qu'il dirait oui? Non. Alors appelle la presse, qu'ils envoient un type. Tu veux qu'un opportuniste s'amène ici dans le seul but de se faire une réputation? Tout ce qui l'intéressera, ce sera d'en faire un spectacle de merde. Tu parles! Ça fait plus de 7 ans que je suis là et que je me tape les cris de Denis en attendant de mourir. Alors t'appelles ça comment, hein? Écrase un peu, Denis, t'entends? Comment t'as fait? Nous, on n'y arrive jamais. Tu seras toujours aussi largué, Stan. Dire que jusqu'au jour de ta mort, tu te poseras encore la question. Bon Dieu, mais comment il s'y prenait, Raymond Hems? Ça y est. Regarde cette photo. Regarde-la bien. Je veux le mec qui l'a prise, t'as compris, Stan? Tu décroches jamais ton téléphone? Salut, Michael.
Non, ça n'arrête pas de sonner. C'était moi. Je voulais t'offrir un job. J'ai parié que t'accepterais. Non, mon fadeur encore. Je t'ai pas envoyé à Las Vegas pour ça. Tu devais faire un reportage soigné sur le numéro 1 du Hit Parade. Ils voulaient des clichés de prestige pour améliorer un peu leur look. Je ne prends que ce que je vois. Tu n'as pas le droit, Marish. Tu photographies des concerts de rock comme si t'étais à Beyrouth. Seulement, je t'ai pas envoyé à Beyrouth. Ils allongeront pas. Ils vont t'attaquer en justice. Tu piges? Alors écoute, ou bien t'es un photographe qui consent à obéir aux clients, ou alors tu joues les journalistes et tu pars aujourd'hui en Chine prendre des photos d'étudiants écrasés par les tanks. C'est à prendre ou à laisser. S'il te plaît, un mot en 6 lettres pour secret. Paul, je ne peux t'envoyer nulle part. Quand tu vois quelque chose, ça fait peur aux gens. Il paye jamais pour ça. Mais merde. Il fait quoi, la nana, là? C'est curieux. Il s'apprête à la balancer par la fenêtre, mais il a vomi avant de réussir à l'ouvrir. C'est quoi, ce boulot? Photographier l'exécution d'un mec qui a ton poster de Tina Turner dans sa cellule. Tu veux un contrat à durée déterminée pour les catalogues de lingerie? Non. Alors, tu veux quoi? Non, c'est pas pour moi. Bon sang, tu déconnes, Paul. Il faut bien que quelqu'un la prenne, cette photo. C'est l'État qui paye. Et puis après, ça revient à jouer les voyeurs devant la mort. J'en ai marre de photographier la misère humaine. J'ai même pas le temps de me consacrer à mes propres malheurs. Ton domaine, c'est celui-là. T'empocheras plus de 25 000 dollars. Ce contrat représente la fin de tes dettes. J'ai que ça, je peux pas te donner ce que tu demandes. Ça t'ennuie si je te parle franchement? Oui. Repense un peu à Lorraine. La seule chose à faire, c'était de prendre la photo. Personne ne peut arracher quelqu'un à son destin. C'était une fille fantastique. Je me suis battu pour que ce soit toi qui l'aies. J'ai que ça à t'offrir. Personne d'autre ne veut de toi. Tiens, regarde. Il est condamné à mort. Eh ben, lui, il veut. Ce sont ses dernières volontés. Allez, joue le jeu. Qu'est-ce que t'as à perdre, à part l'argent? Il faut jamais refuser un petit coup de main. T'as besoin de manger, faut vivre. Voilà, 25 000 dollars. Plus les frais, bien entendu. Appelez-moi quand c'est fini. Nous avons aussi été déboutés par la Cour fédérale. Il faudra employer les grands moyens. Nous irons en Cour suprême en exigeant l'application de l'habeas corpus. Ce pauvre maître, vous êtes un bourreau de travail. Ils ont accepté le photographe, alors je crois que le minimum, c'est de ne pas le décevoir. Vous me suivez? Nous avons encore quelques petites munitions en réserve. Eux, ils ont le temps. On en est où avec la presse et la télévision? Disons que je m'ingénie à les éviter. J'ai l'impression que vous ne m'avez pas compris. Ils ont déjà décidé, je dois mourir. Ils n'attendent que ça. Nul ne les arrêtera, ni vous, ni personne. La seule chose que je demande lorsqu'ils vont... La seule chose que je demande lorsqu'ils vont me tuer, c'est qu'au moins ils aient le cran de me regarder droit en face ce jour-là. Je ne veux pas mourir tout seul. Maintenant, allez parler aux médias. Et surtout, racontez-leur bien mon histoire. Gouverneur, gouverneur, monsieur le gouverneur, monsieur, votre réaction à la suite de la déclaration de Ray Ames à la presse. Pensez-vous que son nouvel appel sera rejeté? Je suis du même avis que monsieur Ames. Je pense que nous devons avoir le courage d'assumer les conséquences de nos actes. En ce qui vous concerne, gouverneur, avez-vous déjà signé l'ordre d'exécution? Absolument, oui. Et je me rendrai en personne auprès de lui le jour de cette exécution. Excusez-moi, gouverneur, avez-vous le sentiment qu'il est vraiment coupable? Formidable. Avec ça, votre cote de popularité va au moins gagner 2 points. 4 points. En effet, c'est le bruit qui court. Où est la limousine? J'ai d'abord quelque chose à vous dire. Vous faites une belle saloperie en vous pointant ici. Votre présence ici est dégueulasse, vous le savez? Le policier que Ames a descendu était mon pote. Vous voulez faire en héros d'un tueur de flics? Écoutez, moi, dans cette histoire, je fais un boulot, c'est tout. Le reste m'est égal. Ne le prenez pas à moi. Ça vous est peut-être égal à vous, mais nous, c'est le contraire.
Alors ne prenez pas la photo. Et oublions tout ça. Si vous voulez oublier, n'achetez pas le magazine quand il paraîtra. Monsieur Marich ? Oui. C'était qui ce type ? Et quel type ? Est-ce qu'il y a un bar sympa sur le chemin ? Ah, on n'a pas le temps. Mes instructions sont de vous conduire directement à la prison. C'est vous qui avez pris Tina Turner en photo ? On vous a dit Kames à son poster ? Oui. Quand vous êtes sur un concert de rock, vous allez partout, j'imagine. Les loges, les vestiaires, les chambres, les chiottes. Vous avez déjà rencontré Madonna ? J'ai déjeuné avec elle. Ah, quel beau cul elle a, cette nana. Tenez, là devant vous, c'est la salle des exécutions. Les types arrivent directement de la cellule d'attente, on les attache solidement et on leur met une cagoule sur la tête. Après ça, il y a un mec qui balance la sauce au moins 2200 volts. Le prisonnier est en fin de circuit, si on peut dire. En tout cas, le mec reçoit $180 pour appuyer sur le bouton. C'est un membre du personnel. Et personne ne sait qui ce sera. On le met dans cette pièce en attendant l'heure de l'exécution. Comme je vous le disais, on ne sait pas qui c'est, parce que lui aussi porte une cagoule. Et il est payé en liquide. Ça évite de remonter jusqu'à lui. Vous avez déjà assisté à une exécution ? Ah ouais ? 3 fois. Certains disent que la lumière faiblit, seulement j'ai jamais remarqué. Mais une fois, j'ai vu de la fumée. De la fumée ? Ouais, ça ressemble à de la vapeur. Ça arrive quand il faut qu'ils s'y reprennent plusieurs fois. C'est à ce moment-là qu'on aperçoit la fumée. Mon frère m'avait prévenu que je verrais quelque chose, mais ce que j'ai vu, c'était insignifiant. Un petit arc bleu sortait de la cuisse du gars. Vous voulez essayer la chaise ? Non, merci. Y a aucun risque ? Non, merci. Allez à la porte d'entrée et amenez les témoins dès qu'ils seront là. Bien, monsieur. Ensuite, j'aurai 2 mots à vous dire. Oui, monsieur. Merci. Je vous en prie. C'est moi, le directeur, Stan. Très heureux. Ems désire vous voir. Moi. Gardien, les clés. Ha ha.
Ray, tu as de la visite. Je veux le voir seul. Allez-y, entrez. Entrez. Merci d'être venu. Paul Marisch. On attend le verdict d'un juge, d'un autre juge. J'ai survécu au juge qui m'a condamné et à deux autres qui ont accepté de me donner un sursis. Dites, vous voulez peut-être prendre ma photo? Il nous faudra du temps. Ah, on en a, j'ai tout l'avenir devant moi. Alors allez-y, vous êtes un pro, hein. Si Tina Turner vous a choisi, c'est pas pour rien. Je vous attends. Dépêchez-vous, je suis encore... Est-ce que je m'assois? Oui, c'est mieux ainsi. Mais merde! Ouvre la porte! Ouvre aussi la mienne pendant que tu y es. Calme-toi, Ames. C'est rien, il s'amuse. Faut bien les laisser rigoler un peu. Vous voulez une cigarette? Non, j'ai arrêté de fumer. Sage décision, vous avez raison. C'est des clous de cercueil. Hey. Bravo, vous avez réussi le test. Quel test? Oh, la plupart des gens sursautent au moindre bruit, surtout quand ils entendent la porte se fermer derrière eux. Ça arrive à tous les visiteurs qui viennent ici la première fois. Remarquez, j'ai pas beaucoup de visites, sauf celle de mes avocats, bien sûr. Ray, c'est l'heure. Déjà? Ça va, Charlie? Harish, si vous voulez bien nous excuser... Non, non, restez. J'ai demandé la présence d'un photographe jusqu'à la dernière minute. Cette foutue photo, vous allez la faire, Marie. D'accord. Ok. Charlie, les uns un peu sur les côtés, tu veux bien? T'as jamais été aussi bien coiffé. Ah, oh. Continuez. J'ai un poster de Tina Turner qui vous a épris d'elle dans l'un de ses shows. Vous n'avez pas raté, elle est superbe. J'y étais pas pour grand-chose, j'ai eu qu'à appuyer. Comment est-elle? Elle est gentille? Le paradis à elle toute seule. Ah, je m'en doutais, c'est un ange. Je l'adore. C'est à cause d'elle que j'ai eu du fil à retordre. J'habite la campagne. On n'a pas le droit d'être entiché d'une plante pareille quand elle est noire. T'es des cons. L'amour est incolore. Il paraît. Qu'est-ce qui sera présent, Degan? Stanton? Le gouverneur. Qui d'autre? Le frère de Jackie Vanquas. Je m'appelle Degan Stanton, je suis le directeur de la prison. Voici Monsieur Marisch. Il photographiera l'exécution, comme Ray Ames nous en a fait la demande. Et pour ceux qui l'ignoreraient, je vous présente Doug McGrath, le frère de la victime. J'ai attendu cette revanche plus de 7 ans, gouverneur. J'aurais tant aimé que mon frère assiste à ça. Marisch, aucune photographie des témoins. Nous allons
qu'on va procéder. Les circuits électriques ont bien été vérifiés, Sherman ? Dans ce cas, préparez la chaise. Je ne veux pas de cafouillage. Il est temps d'aller chercher le bébé. Est-ce que t'es prêt à y aller, comme un homme ? Lâchez-le. Ça va? Bien, monsieur. On arrête tout. Docteur, enlevez-lui les sangles. Oui, enlevez-le de la chaise. Doucement. Je dois vous prévenir, la sentence vient d'être repoussée. Il n'y aura donc pas d'exécution. Vous pouvez rentrer chez vous. Gouverneur, j'aimerais vous parler un instant. C'est scandaleux, ça ne finira donc jamais. Bon Dieu. Est-ce qu'ils vont me tuer? Mon Dieu, j'en peux plus. Mon Dieu, qu'ils me tuent, je vous en prie. Qu'ils me tuent, je vous en prie. Qu'ils me tuent, qu'on en finisse. Qu'ils me tuent, je vous en prie.
policier, laissez-le partir. Mais bon Dieu de merde, qu'est-ce qui te prend à la fin? Continue à semer le bordel avec Smith et tu vas finir au trou, connard. Tu vas foutre le camp. T'entends? Et je t'interdis de parler au photographe. Devant la chambre correctionnelle de l'État lorsque l'exécution de Raymond Hems, accusé de meurtre, a été différée ce soir. C'est un juge de l'État qui a décidé de suspendre l'exécution du condamné. Ce sursis est intervenu juste au moment où Hems était déjà sur la chaise électrique. Les plaignants se rendront dès demain au tribunal pour essayer d'annuler l'appel. Raymond Hems vient de passer 7 ans dans la cellule. Alors, comment ça marche? Oh, j'ai fait exactement ce qu'il voulait. Tu crois qu'ils vont payer? D'après les avocats, la suspension ne sera pas maintenue. Le gouverneur se fait un point d'honneur à ce qu'il soit exécuté. Devrait-il l'étrangler lui-même? Oh, mais ça risque de durer des semaines, des mois, et en plus, il fait une chaleur à crever ici. Le Times veut un reportage photo complet. Simon et Schuster veulent s'offrir les droits. Ils payent 75 000 d'avance. Ta part, 200 au total. Ma part? Et avec qui dois-je partager? Ils veulent un portfolio des gens impliqués dans l'affaire, le procureur, la famille de la victime et tout ce que tu peux glaner. Tu fais comme si c'était pour toi, ma poule. C'est toi l'artiste. Sois créative. Michael, dis-moi avec qui je dois partager. Qui est-ce? Votre équipier. Qui ça? Dan Westom du Times Magazine. Entrez. Oh, pardon. C'était comment? C'était comment, où ça? À la prison. Moi, je me suis régalé en visitant la cellule des condamnés à mort. Comment est-il? Il
Juste un peu nerveux. Ok, au réveil, il est 8h05. On a rendez-vous avec son avocat. On peut y être. Soyez chouette, d'aller chercher du café. Du café et un jus de tomate, d'accord? Le jus de tomate, c'est pour les vitamines ou pour faire bien? J'adore la couleur. Vous ignorez la raison pour laquelle il est condamné. Je suis seulement venu ici pour prendre des photos. Je me fous éperdument du reste. Comment peut-on accepter un reportage sans en connaître les paramètres? Je veux dire, quel est votre objectif? Quel est votre point de vue? Mon point de vue est en plein milieu de cette lentille. Si je savais cerner les choses, j'aurais pas besoin de prendre des photos. C'est pas vrai, on a l'air de deux gens foutre. Chut, on a aucun... Pas. Des paramètres de base. Vous prenez les photos, moi je tchatche. Ok, ça va. Désolé de vous avoir fait attendre. Où en étions-nous? Le sursis. Ah oui, l'Union de la protection des libertés civiles a réussi à nous dénicher un juge qui nous a octroyé un sursis indéterminé, mais à mon avis, on a peu d'espoir, je n'y crois pas. Vous l'avez dit à Ames? Non, je n'ai plus le cœur de lui parler, vraiment plus. On ne s'attaque pas à la peine de mort, surtout en pareille agitation politique. Le motif exact de votre appel? Incompétence de la défense. Ames a eu un avocat nul et con. March était parti civil à cette époque. Il a carrément ridiculisé ce pauvre imbécile. J'ai dû ramasser les morceaux. Après, bien sûr, l'élection de March au poste de procureur général. Alors, vous avez perdu espoir? À dire vrai, j'espère que cette histoire va se terminer. Durant des années, Ames a supporté la torture de l'attente. C'est une cruauté inutile comme punition. Le jour où j'ai appris qu'on allait bosser ensemble, ça m'a chauffé le cigare, figurez-vous. D'abord, j'ai été flatté de faire équipe avec un prix Pulitzer. Mais ensuite, cette traversée du désert pendant 5 ans, ça m'a intrigué. Alors vive l'intrigue. Mon histoire ne regarde personne d'autre que moi. Je lui parlerai d'abord, vous voulez bien? Bon, vous l'avez dit, à vous la tchatche. C'est gonflant à force, on me sous-estime sans arrêt. Mais je veux ce papier, et j'obtiens toujours ce que je veux. Seulement, il y a une chose que je ne veux pas, c'est me faire enculer par vous. Vous vous foutez de cette affaire. Vous n'êtes pas forcé de rester. Si vous voulez vous tirer, faites-le maintenant. Monsieur Ames? Monsieur Ames? Qu'est-ce que c'est? Nous sommes du Times Magazine. On écrit l'histoire de votre fils, Ray Ames. Je suis le photographe. C'est lui qui pose les questions. Si j'ai mon portrait dans votre magazine, il faut mieux que je m'habille. Et nos lecteurs aimeraient surtout connaître des détails sur l'enfance de votre fils. J'ai pas grand-chose à vous raconter, surtout quand il était gamin. Sa mère pouvait pas encaisser ma manière de vivre. Elle est partie avec lui en Géorgie. Je sais même plus combien de temps. À la radio, un jour, j'ai entendu qu'il était au pénitencier en Arkansas. D'après sa mère, c'était un petit gars angoissé et plutôt fragile. Il n'a donc jamais vraiment eu de père? On peut pas dire. Vous n'auriez pas une goutte de scotch sur vous, monsieur? Non, j'en ai pas. Vous le voyez beaucoup? Si vous aviez interrogé les gens dans le coin, vous auriez appris que quand ils sont partis, mon Raymond avait presque 10 ans déjà, et moi j'étais dans la marine marchande. Non, monsieur, vous étiez en prison pour cambriolage, chantage et recel. Eh bien oui, j'ai eu des temps difficiles. Quand on est dans la misère, faut bien se débrouiller. Vous êtes allé le voir en prison? J'ai passé trop de temps en prison et j'ai eu aucune envie d'y remettre les pieds. Cela dit, j'aurais aimé le voir. Même une heure avant qu'il n'y passe. Savoir s'il a changé. Ça fait longtemps que vous l'avez vu? C'est drôle. Quand j'ai appris où il était, qu'il a été condamné à mort, alors... Je me suis dit, finalement, il est devenu un homme. Oh oui, pour de bon, cette fois. Mon gars. Mon gamin est devenu quelqu'un. Nous nous sommes connus à l'école. Bien sûr, j'avais d'autres petits copains. On vit dans un autre univers quand on est la femme d'un flic. On n'arrive jamais à se situer. Sans doute parce qu'il n'arrive pas à se débarrasser d'un esprit suspicieux. Alors on se sent surveillé. Sachant qu'à la moindre erreur, on sera crucifié. Je vous assure, c'est vrai. Toutes les femmes de flics vous le diront. On mesure nos paroles, on calcule nos actes. Et j'avoue que je ne sais pas si je serais restée mariée indéfiniment avec lui s'il n'avait pas été assassiné. Un sentiment de culpabilité vous envahit. On finit par se comporter comme si on était coupable. Oh là là,
Dites-moi pourquoi je vous raconte ça. Je n'en sais rien. À votre avis? Ça, je l'ignore. On plonge dans ses souvenirs et on part à la dérive. L'émotion vous joue bien des tours. On se cramponne à des états d'âme qui ne nous emmènent nulle part. Dites, est-ce qu'il y en a encore pour longtemps? Enfin, je veux dire, vous avez vraiment besoin de toutes ces photos? Excusez-moi. Désolé, c'est une sale habitude. Les chasseurs d'images sont des drogués. Ils ne savent pas s'arrêter. Ok, je t'ai désorienté, c'est tout. Le soir où votre époux a été tué, vous faisiez quoi? Désolé, je ne me rappelle pas. Son frère s'est présenté chez moi, il pleurait. Sans rien dire, il était incapable de parler. Et il m'a écrit un mot sur un morceau de papier. Ils ont tué Jackie. Ensuite, je crois que j'ai regardé la télévision. Enfin, façon de parler. Mon cerveau s'est vidé. J'ai pleuré beaucoup plus tard. Quand j'ai été seule. La peine de mort, qu'en pensez-vous? Ça ne résout rien. Mais encore? Le frère de Jackie a perdu la tête. À un tel point que j'ai décidé de ne plus le voir, il n'arrête pas d'en parler. La mort est toujours sordide et je pense que tout le monde devrait s'accrocher à la vie. D'après vous, est-il cruel de faire asseoir Ems plusieurs fois de suite sur la chaise électrique et de différer son exécution? C'est bien lui qui fait appel sans arrêt, non? Salut. Bonjour. Je vous présente mon ami Jerry. Ah, t'as dit moi, je reviendrai plus tard. Tout à l'heure. Non, attends, tu sais, je suis sur la salette en ce moment et j'ai grand besoin qu'on m'assiste. Je suis Dan Weston, du Times Magazine, et voici mon ami... Tout le monde vous connaît ici. Jerry est policier. Je t'ai apporté du poisson. C'est gentil, merci. Jerry Brown, l'équipier de Jackie Parker? Écoutez, je suis pas habilité à discuter de cette affaire avec qui que ce soit. Pourtant, vous n'étiez pas avec lui la nuit où on l'a tué. Désolé. Anna, tu veux que je lui foute à la porte? Excusez-moi. On est dans une petite ville ici, on forme une grande famille. Oui, cette affaire a déchaîné bien des passions et je crains qu'il ne s'agisse plus seulement de la vie d'un condamné. Oh non! Jackie est mort. Il s'est suicidé. C'est Doreen. Elle vient de le trouver. Doreen, c'est Jerry. Allez, on arrive tout de suite. Non, non, ne touche à rien. Attends-nous. À tout de suite. Bon Dieu, je savais qu'il n'en pouvait plus, mais de là, supprimer. Et merde. C'est pas à cause du sursis? Sortez! Allez, foutez le camp! Jerry, oui, patron. Vous allez escorter cet homme et le mettre au séance tenante au volant de sa voiture. Allez, je m'élève contre cet abus de pouvoir. Il y a entrave à un journaliste dans l'exercice de la profession. C'est scandaleux. Je me plaindrai en haut lieu. Montez, s'il vous plaît. Cassez-vous.
Hé hey, c'est bon Dieu, où étiez-vous passé? C'était bien lui. Qui ça? Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a bien eu suicide. C'est un ancien flic. Il s'appelle Jacques Rocher. Il m'attendait à l'aéroport. Il a essayé de me faire peur. Doucement, doucement. Jacques Rocher vous attendait à l'aéroport. Et alors? Alors, s'il a essayé de me dissuader de rencontrer Ames, c'est qu'il redoutait quelque chose. Oui, c'est pas vraiment clair. Meurtre et suicide. Justice mêlée de trahison. Une petite bourgade anéantie par un secret qui commence à percer le voile. En voilà un reportage extra. Vous allez bien? Je sais. Le prochain, c'est qui? Il s'appelait Jack Rocher. Il était là pour aider McGrath et son équipier McNighton. Il faisait nuit. Rocher et Knighton ont dû traverser le champ pour prêter main forte à McGrath. Il était sur le point d'arrêter Ames et son complice Floyd Tatum. Ames et Tatum étaient justement en train de charger quatre sacs remplis de marijuana à bord d'un Cessna 510, les moteurs à plein régime, prêts à décoller. Seulement, tout s'est passé un peu plus vite que prévu. McGrath a été obligé de bousculer les choses avant que Rocher et Knighton aient pu le couvrir. Ames a fait feu. Il a abattu Jack McGrath comme un chien. Rocher a pu arrêter Ames et Tatum par surprise. Le pilote était devant l'avion, il regardait de l'autre côté, il n'a rien vu. Mais Tatum a témoigné contre son complice, il a juré avoir vu Ames tirer. Nous avons relevé les empreintes d'Ames sur la crosse. Leurs positions respectives ont confirmé l'angle du tir, ainsi que la position du mort et l'impact de la balle. Le procès le plus facile de ma carrière. Vous veniez d'être nommé procureur. Pourquoi avoir demandé la peine de mort? Si le législateur l'a instituée, c'est bien pour punir ce genre de forfait. On m'a interdit de les montrer aux jurés, à cause du bain de sang, j'imagine. Au fait, dites-moi, vous n'auriez pas pris des photos du corps de Jack Rocher hier, par hasard? Non, j'ai pas eu le temps. Dommage. J'aurais bien aimé montrer aux gens que le crime d'Ems resterait impuni tant que lui le sera. Je reste convaincu qu'il y a sur Terre des hommes qui sont possédés par les forces sataniques sur lesquelles ils n'ont hélas absolument aucun contrôle. Souhaitons qu'un jour on puisse extirper à l'humanité ces mauvaises impulsions. De cette façon, on libérera l'homme en terrassant le diable. Mais avant que cela se produise, j'ai bien peur que tous les Ems de ce monde soient contraints et forcés de terminer leur carrière criminelle sur la chaise. Je suis absolument persuadé d'avoir raison. J'ai rencontré Ames. Et puis je vous ai rencontré, et bien c'est vous le malade. Lui ne ferait pas de mal à un insecte, c'est vous qui me faites peur. Monsieur Knighton, fichez-les dehors. Vous avez entendu, messieurs, le rendez-vous est terminé. Monsieur Knighton, vous avez participé à l'arrestation? Oui. Allez, emportez vos jouets et sortez. C'est bon. Gentiment. À bientôt. J'ai d'excellentes nouvelles, monsieur March. La suspension est annulée comme on s'y attendait. C'est pour vendredi. Ray ne veut voir que Monsieur Marich. Le directeur m'a dit que j'avais toute liberté d'accès aux prisonniers. À part le médecin, les condamnés n'ont aucune obligation de recevoir qui que ce soit. Est-ce clair? On n'a rien à faire ici. Oh, comment ça? Il a dit que vous pouvez rentrer, pas moi. Oui, mais j'y suis déjà allé. On a toutes les photos qu'on voulait, non? Oh, oh, oh! Sans une interview, on n'a que dalle. Si nous avons l'exécution, pourquoi vous lui foutez pas la paix, nom de Dieu? Écoutez-moi, Marich! Excusez-moi, je voulais pas vous faire de mal. Merde, qu'est-ce qui vous prend tout d'un coup? Je comprends pas. Où est votre fierté, bon sang? Je sais pas ce que vous avez fabriqué pendant ces 5 ans, ni ce que vous avez éprouvé ici l'autre jour. Seulement vous, et uniquement vous, êtes accepté comme témoin. Je peux pas aller faire cette interview. Il ne veut pas me voir. Je crois que vous devez un truc à ce pauvre mec. Racontez aux gens son histoire, parce que maintenant, vous êtes le seul à pouvoir le faire. Alors, je vous donne les questions. J'ai aussi un petit dictaphone. Enregistrez les réponses, rien d'autre. Soyez chouette, allez faire cette interview. Et je vous invite au resto. Alors, vous décidez quoi? Ray veut vous voir. Il attend, je lui ai rien dit du tout. Regardez bien la petite fenêtre pour être sûr que la bande n'est pas terminée. Combien on vous paye pour être là? Moi, promis 75, c'est régulier. Quand on vient ici, la règle, c'est d'apporter des cigarettes. 75 dollars? 75 000 dollars.
Putain. J'ai l'impression que je vaut beaucoup plus cher à l'état de macabre que vivant. Qu'est-ce que vous allez faire avec une somme pareille? Bien. Je vais en donner un peu à Amy, aussi un peu à Barbara. À toutes ces gentilles nanas qui se baladent avec mon nom. Et avec votre blé? Ouais. Avant que je vous raconte mon histoire, vous avez eu la version de Marche? Oui. Ça risque de pas être la même. Tatou m'avait loué mes services, seulement il est venu avec ma grâce. L'avion était prêt à décoller et tout d'un coup, il s'est amené je ne sais combien de centaines de poulets. Tout le monde gueulait, je comprenais rien. Il y a eu un grand boom derrière moi, je sais pas d'où ça provenait. J'ai fait un bond sur place, mon fusil a dû tomber, ma grâce a été balayée comme une merde et... Rocher et Knight, et Knighton. J'ai pas envie de répondre à la question numéro 3. Ok. Et puis je connais pas ce mot, juxta... Juxtaposé à Tatum. Vous étiez à côté de lui, est-ce qu'il portait un revolver? Non, j'étais le seul à avoir apporté une arme. Tu crois qu'il est pédé la... Il y en a marre, nom de Dieu, fermez vos gueules, merde, vos gueules! Vos gueules, dis-leur de la boucler! Faites chier, fermez vos gueules! Conneries. Tatum a-t-il été payé par la police en secret pour témoigner contre vous? Je suis énervé. C'est rien. Oui, il a affirmé que j'avais armé et tiré. Vous connaissiez depuis longtemps? On a été élevés ensemble, dans la même ville. On vous a condamné à mort. Qu'est-ce qu'est devenu Tatum? Il a été condamné à un an, il a fait 6 mois, il y a 3 ans, il a recommencé. Il s'est barré avec un sac rempli de dope en plein marais. Ils ont tiré sur lui au moment où il se cassait. On ne l'a jamais retrouvé, paraît-il. C'est ce qu'on dit. J'espère que les crocos l'ont bouffé. S'il vous plaît. Voudriez-vous leur demander ce qu'ils ont fait de mon chat? Bien sûr. Arrêtez-vous là. Quoi, ici? J'ai envie de marcher. Mais enfin, où est-ce que vous allez? J'ai besoin de rester un peu seul, c'est tout. Pourquoi? Je vais examiner les photos tranquillement, d'accord? On se verra demain. Vous cherchez quelque chose? Oui. Il y avait des photos et des coupures de presse sur le bureau avant. J'aurais bien voulu les examiner. Pourquoi? J'en sais rien. Ça, c'est une réponse qui nous avance bien. Il n'y avait rien sur le bureau quand je suis arrivée. Lorraine Rusher a décidé de partir après les obsèques. Je suis venue l'aider à fermer la boutique. Je n'ai pas eu l'occasion de vous dire combien je suis navré pour votre ami. Qu'est-ce que vous faites ici? Bien, en fait, je sais pas. Il m'avait semblé que peut-être... quelque chose me chiffonne un peu des détails. Pourquoi Jack Rusher avait-il l'air bouleversé par la mort de Jackie? Je croyais que c'était l'autre qui posait les questions. Certaines photos ont de temps en temps besoin d'une légende. Pas quand elles sont bonnes. J'ai comme l'impression qu'on fait fausse route tous les deux. Je me suis sentie envahie.
Hier, on m'a posé tellement de questions, on a pris tellement de photos. Et on a remué une vieille histoire qui, d'après moi, aurait gagné à être oubliée. Je n'ose dire que c'est votre faute, je vous ai ouvert sans rien dire. Seulement, je me suis tue ou bien j'ai trop parlé. J'ai fait une belle erreur. Alors, écoutez-moi. À vous de décider. Mais avant de l'acheter, faites-la quand même développer. Vous les croyez bonnes, hein? J'aimerais que vous voyiez de quoi vous avez l'air. Selon moi, en tout cas. Vous feriez quoi dans ce cas-là? Laissez-moi les développer, après vous apprécierez. J'y penserai. Peloton, préparez-vous, présentez armes. Armés. En joue. Feu. Armés. En joue. Feu. Armés. En joue. Feu. Cessez le feu. Présentez armes. Il faut que nous passions vers le maire. Je vous verrai plus tard. Gouverneur, Dan Weston du Times Magazine, êtes-vous prêt à faire une déclaration? Oui, je la ferai dans une minute. Monsieur Barron. Gouverneur, s'il vous plaît. Gouverneur, avez-vous un imprimé de cette déclaration? Je ne peux pas rester ici. Calme-toi, Doug. Merci. Si tu as besoin, tu sais où je suis. Ouais, ouais. Je t'appellerai, je te promets. Je veux voir cette espèce de salaud grillé, il doit mourir. Oui, vous avez ma parole, il sera exécuté. Ces femmes et ces hommes courageux qui font respecter la loi dans cet État ont besoin de tout notre soutien. Les lois régissent notre pays, aussi est-il grand temps de les mettre en application. Alors, adressons ce message aux criminels. Si vous tuez un policier, sachez que vous serez exécuté, soyez-en sûrs. Peut-être alors arriverons-nous à effacer ce sentiment de désespoir qu'éprouve aujourd'hui nos policiers. Vous avez photographié toutes les larmes? J'ai trouvé ça très émouvant. Et certaine que vous éprouvez une joie profonde devant le malheur des gens. La décence vous commandait de ne pas importuner Dorine. Quel que soit l'endroit, chacun trouve ce qu'il est venu chercher. Si on vous le demandait à genoux, vous accepteriez d'oublier vos photos? Non. La chaleur de la glace, c'est encore ça qui vous va le mieux. Vous êtes un iceberg. Anna! Je veux voir ces photos. Quelle photo? Rapportez-moi le film.
Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Bon, on a changé d'avis. C'est lui, Hems? Oui, je l'ai photographié il y a 2 jours. C'est fou ce qu'il a changé. Il est méconnaissable. Là, c'est Buddy Ames. Tel père, tel fils. Pendant toute la jeunesse de Ray, son père était en prison. L'antichambre. Quelle horreur. Ce sont plus que des photos. Merci. J'ai encore un rouleau à développer. Des visages? Voir. Si je l'avais connu quelques années avant, je l'aurais peut-être plus aimé. Qui sait? Vous avez été marié? Ouais. J'ai essayé une fois ou deux. Ici, c'est l'endroit où tout se sait. Tout le monde parle, se taisent seulement quand ils sont endormis. Alors qu'on ne trouve jamais à qui parler quand on est seul. C'est l'apanage des villes de province. Ou par contre, vous ne faites qu'écouter. Oui. Ça doit être parce que j'ai aucun talent d'orateur. Hein? Quelle chance. Il y a une inflation de bavards ici. Ceux qui écoutent se font tellement rares. Qu'en pensez-vous? Elles valent le coup, non? Marie-je? Paul. J'ignorais que vous étiez si célèbre. Je suis passée à la bibliothèque. Paul Marich a obtenu le prix Pulitzer pour le cliché de la journaliste Lauryn Graves exécutée à bout portant par des rebelles mercenaires de Colombie. Elle voulait que je la prenne aux côtés de la bande de rebelles. Je lui conseillais d'aller les voir et surtout de leur montrer sa carte. Elle y est allée. Sur le rouleau, il y avait quelques photos qui restaient. Je n'ai plus qu'à appuyer. Vous y teniez? Je l'aimais. Elle n'a pas répondu à ma question. Ça vaut le coup que j'en conserve quelques-unes? Vous éteignez, je tire le verrou. Ok. Salut. Navré d'interrompre votre nuit. J'ai réussi à avoir une interview avec Doug McGrath, le frère. Très bien. Venez, j'ai quelque chose à vous montrer.
c'est un agrandissement d'une photo que j'ai prise dans le bureau du procureur. Vous vous rappelez? Ouais. Bon. Voici maintenant un agrandissement d'une photo prise sur le bureau de Rusher après son suicide. Ce cliché a disparu. Regardez-les simultanément. Elles sont inversées? Exact. Mais pourquoi? Je sais pas, c'est peut-être le labo qui s'est planté. Oh, tu parles, Charles. C'est cette photo qu'ils ont utilisée au procès. C'est celle-là qui était sur le bureau de Rusher. Bon, alors, comment savoir quelle est la bonne? C'est une chose que nous ignorons. On ferait peut-être bien d'en aviser l'avocat du condamné. Ouais. Je suis jamais venu ici. Vous n'êtes jamais venu voir où ça s'est passé? J'avais aucune raison. Quand j'ai repris cette affaire, elle était en cours depuis 2 ans déjà. On y est. Je suis Ames. Weston, vous êtes McGrath. Approchez-vous un peu plus à droite, voilà. Oui, maintenant restez là et vous pointez votre arme sur moi. Très bien. Alors, l'avion se trouve sur ma gauche. Tatum, à ce moment-là, est entre moi et l'avion. C'est ça. Vous êtes Tatum. Venez vous mettre là. À ma gauche, oui. Très bien. Je me trouve ici et je vous tire dessus. Vous vous écroulez, vous tombez sur le côté droit. Allez, allongez-vous. La photo de la police a été prise d'à peu près ici. Vous voyez, c'est celle qui a été utilisée au tribunal. Maintenant, Weston, retournez-vous sur vous-même. Quoi, me retourner? Oui, mettez votre tête de ce côté-là et vos pieds de l'autre. C'est un retournement à 180 degrés. Vous voulez que je laboure aussi? Non, c'est pas encore la saison. Voilà, restez là. C'est ça. Bon. Maintenant, voilà la photo du bureau de Rusher. Et alors, ça ne peut pas être une erreur du labo? Vous voulez nous faire avaler que Rusher s'est tué à cause d'une erreur? Non, mais venez voir. Regardez. Voilà la photo de Rusher. Si jamais elle est vraie, il est impossible que McGrath ait été abattu de l'endroit où se trouvait Ames. La balle venait forcément de la gauche. C'est une preuve suffisante pour un autre appel. Alors arrêtez, Ames a besoin qu'on lui foute la paix. Comment ça, lui foutre la paix? Ray lui-même a dit que Tatum n'avait pas d'arme. Il a admis que c'est son fusil qui a tiré. De plus, il y avait ses empreintes sur la crosse, seulement les siennes. Nous allons faire appel. Mais laissez donc Ames le décider tout seul. Marie, il y a 7 ans, cette affaire ne vous concernait pas, que je sache. Ni l'année dernière, ni le mois dernier. Moi, ça fait 5 ans que je suis plongé dedans. Ça m'a coûté les yeux de la tête. J'en dors plus. J'ai perdu des amis. Vous n'avez même pas lu le dossier. Tout et vous ce que je demande, c'est qu'on me laisse voir les négatifs. C'est pas sorcier tout de même. Et s'il corrobore les photos du procureur? Très juste. Alors, Marie. Alors, rien. Mais si ce n'est pas le cas, ça infirmera la thèse de la culpabilité d'Ames. Non. 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 Tiens, tiens, tiens. On est passé ici avant nous. Ouais, la police égare très souvent les indices. Pas vrai, mon cœur? Je suis pas là pour discuter, mais pour observer vos recherches, voilà. Miller trouve toujours les indices quand ils en ont besoin. Le plus dur dans la mort, c'est avant, c'est quand on pense qu'il vous reste peut-être une chance de vivre. C'est ça qui vous fout en l'air. Je suis vide. Prenez vos photos et cassez-vous. Et si votre coup de feu n'était pas celui qui a tué McGrath? Quelle différence que ça peut faire? C'est une belle et grande différence à mes yeux. Oh, ça j'en suis sûr. Ça pourrait chatouiller votre conscience. Je me branle jusqu'à l'os de ce que vous essayez de vous prouver. Vous ne pouvez pas me sauver. Il y a une foule de gens qui essaient depuis 7 ans. Résultat, je suis encore là et je vais en crever. Est-ce que vous l'avez tué? Ils ont dit que c'était moi. J'en ai rien à cirer de ce qu'ils ont dit. Répondez-moi. Rendez-vous demain soir, Trésor. Sois pas en retard. Où
Vous savez, je trouve qu'on est un petit peu cavalier avec les traditions. C'est vrai, normalement, on aurait dû être présenté. Par des amis communs. Après, on serait revus. On aurait parlé de nos parents respectifs. On est en province, sous un climat tropical. C'est pour ça que les vieux n'arrivent pas à dormir. Alors, ils passent la soirée assis sous un porche, mais on ne les voit pas. On sait juste qu'ils sont présents parce que de temps en temps, ils allument une cigarette. Voilà pourquoi ici, personne n'a d'alarme. En tout cas, maintenant, tout le monde sait. Oh, Paul. Réveille-toi. Il faut que tu repartes à ton motel. Tu sais bien que j'aimerais que tu restes, mais manque de chance, les murs ont des yeux. Alors, bonjour. T'es un amant exceptionnel, ça se dit pas, je sais, mais tant pis. Allez, lève-toi. Je dois emmener Dorine à l'aéroport. Monsieur Marsh n'a nullement l'intention de vous parler, ni au sujet des photos, ni de quoi que ce soit. Bon, d'accord, mais vous... Comment ça, moi? On se pose des questions au sujet du partenaire d'Ems, Floyd Tatum. Tu calmes. Mais rangez votre appareil. On s'excuse, il n'est pas raisonnable. Écoutez-moi, j'essaie seulement d'avoir des informations sur Tatum. Vous êtes sûrement le dernier à l'avoir aperçu vivant. Refaites jamais ça. Écoutez, mon vieux, je photographie seulement votre visage. J'ai aucune préférence pour l'angle, d'accord? Dites-lui ce que vous voulez. À la lumière. Allez-y. Au fait, avez-vous été obligé d'utiliser votre arme? C'est une chose qui n'enchante jamais un bon policier. Tatum a voulu faire le malin, il a sorti un Glock 9 mm, 9 balles dans le magasin. J'ai été forcé de tirer, c'était lui ou moi. Je pense l'avoir touché deux fois. Il est tombé quelque part dans le marais, un endroit où le courant est rapide. Il faisait nuit noire, on l'entendait, mais on voyait rien. Le temps qu'on trouve enfin un bateau pour le chercher, on a perdu sa trace. Les recherches entreprises le lendemain ont été un vrai fiasco. C'est le genre d'opération dont la police n'aime pas parler, mais ça n'arrive pas souvent. Et s'il était mort, on le saurait? Oh, il l'est. Je suis certain de l'avoir touché deux fois à la gorge. Il y avait une de ces flaques de sang par terre, c'était dingue. Je peux vous dire que s'il était en vie, il nous aurait appelés. C'est un vice chez la plupart de nos informateurs. Ils s'en vont, mais ils se repointent un jour. Je crois que c'est plus fort qu'eux. Tatum était payé pour informer la police? Ouais. Je croyais pas vous l'apprendre. Au fait, j'ai oublié l'essentiel. Quoi? De vous épeler mon nom et de vous parler de ma position. K.N.G.H. Knighton, assistant du procureur, Mike Knighton. K.N.W.X.Y. Ouais. Pourquoi pas votre grandeur pendant qu'il y est?
Je savais pas que le procureur recrutait sur les rings. Bonjour. Je veux te montrer quelque chose. Regarde ces photos. Tu comprends ce que ça veut dire? Non. Où est-ce que tu les as eues? Elles étaient sur mon bureau. Je sais. Pourquoi est-ce que tu les as enlevées de chez Rocher? Je suis allée ranger toutes ces affaires. J'ai pensé que Dorine risquait d'en souffrir en les voyant. D'où sors-tu, toi? Et qu'est-ce que je vous disais au sujet des policiers qui vous surveillent sans cesse? Jetez un coup d'œil là-dessus. Où avez-vous eu ça? Sur le bureau de Rocher. C'est une pièce à conviction. Juste. C'est également un aveu. Rocher savait qu'Ames n'a pas tué McGrath. Il s'est bien gardé de les faire paraître à la cour. Tous les témoins sont des menteurs. Tatum est un informateur. Alors pourquoi ne pas les avoir produites? J'y suis pas allée au tribunal. Je savais même pas que Rocher possédait ce jeu de photos jusqu'à ce que j'aille chez lui hier. Enfin, si c'est pas Ames qui a tué Jack, c'est qui? Tous ceux qui étaient présents sont morts. Rocher? Knighton a dit qu'il avait tué Tatum. Et vous croyez ce connard? Comment ça? Il jurait n'importe quoi pour créer une affaire. Il n'y a que l'ambition qui compte chez ce gars. Personne n'a retrouvé Tatum. Mais enfin, si Tatum est en vie, pourquoi est-ce qu'il n'a pas témoigné? Attendez, en mettant de l'ordre dans les affaires de Rocher, j'ai fait une petite découverte. Il payait des factures de nourriture pour chiens, je vais vous montrer. Ça doit être quelque part ici. Là, c'est ici. Regardez, chaque mois, un versement de 1000 dollars. Là et là, ça dure depuis des années. Bloms, Bart et Tuckle. Je trouve que ça fait cher. À Gilton, en Géorgie. C'est là qu'Ames a été élevé avec Tatum. C'est le premier endroit où ils ont eu des problèmes. Gilton, en Géorgie. Salut. Nous sommes des amis de Jack Rocher. Jack qui? Vous savez bien, vous recevez 1000 dollars tous les mois de Jack Rocher. Ah oui. Oui, ça y est, je me souviens de lui. Comment est-ce qu'il va? Il est mort. Mais avant de mourir, il m'a demandé d'aller mettre Bloom, Bass et Tuckle au courant. Mort? Mort pour quoi faire? À cause de quoi? Il s'est senti coupable à cause d'Ames. Ames n'a pas encore été exécuté. Ça pourrait représenter des problèmes pour vous simplement parce qu'il n'y aura plus de chèque.
devriez voir Monsieur Floyd. Oui, ce serait bien. Floyd Tatum habite au bord de ce chemin. Sa cabane est au bord de l'eau. Merci. Monsieur Tatum ? Ouais. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Marish. Paul Marish. Je suis photographe et aussi reporter. Ce sont des amis qui m'ont amené ici. Qu'est-ce que vous voulez ? Nous voulons sauver Raymond Ames. Et nous pensons que vous pouvez l'aider. Et qui vous a dit ça ? Jack Rusher. Dors ! Une petite minute. Nous n'avons pas beaucoup de temps, monsieur. Sortez ! Non, écoutez, Floyd. Nous vous en faut trouver. Et si on vous a trouvé, ils peuvent vous trouver aussi. Ils finiront ce qu'ils ont commencé. Rusher a dit que vous avez tué McGrath. Rusher n'a rien dit, alors maintenant, dégagez. Non, pas ça. Ils vont me tuer. Ils vont me tuer, mais faites pas de photos. Racontez-moi tout, Floyd. Racontez-moi. Ils viendront. Si vous parlez, je vous donne le rouleau, c'est promis. Il a seulement parlé du traquenard. Ah. Mais pourquoi il n'est pas venu ? Parce qu'il s'est suicidé. Il est mort d'une balle dans la tête. Mais il nous a offert ceci. Nathan Rusher et moi, on était sur un coup terrible. Une cargaison de marijuana. Mais McGrath l'a appris. Alors on a utilisé Ames comme pigeon. McGrath a surgi d'un coup. Ames et moi, on était fichés. Je me demandais ce que pouvaient foutre Rusher et Nathan. McGrath avait l'air décidé. Je me suis mis à courir, mais je suis tombé sur Nathan. Il m'a ceinturé. Alors Rusher a pris son arme et a tiré. Plus tard, il a dit qu'il savait pas pourquoi il avait fait ça. Ames était paralysé par la peur. Il était terrorisé, on voyait l'angoisse dans ses yeux. Il en a même lâché son flingue. Je comprends toujours pas pourquoi Rusher a tué McGrath. Ils se connaissaient, c'était pas un accident. Il était pas obligé de le faire. C'est Rusher qui a tiré. Qui a dit ça, là ? Jack a tué Jackie. Je la connais. Rusher nous disait qu'il vous appelait Salapalooza. Ouais, je me rappelle maintenant. Lalapalooza. Peu importe ce que c'est du reste. Ça y est, je comprends, ouais. J'avais pas réalisé. C'est pas seulement McGrath, non. Qui a semé le bordel dans notre coup. Mais Rusher, vous et l'amour. Jerry va rester auprès de Tatum en attendant l'arrivée du shérif. L'Union pour la défense des libertés civiles va nous avoir un rendez-vous avec le juge Landis. C'est toi qui iras. Quelle horreur. Dire que j'étais tombée amoureuse d'un flic criminel. Tu te souviens de ce que je t'ai dit ? Je voulais divorcer. Oui. C'est Jack qui m'avait demandé de partir avec lui. Oui, mais tu as choisi de rester. C'était un dingue. Oui, mais c'est ma faute. C'est moi. Qu'est-ce que tu racontes ? C'est pas ta faute. C'est moi qui ai préféré la facilité. Non, non, du tout. Arrête. Maintenant, tu vas aller chez le juge Landis. Nous devons penser à Ray Ames. D'accord ? C'est la seule chose importante oui, pour l'instant. T'as raison. Thank you.
sont les photos de Tatum. Et ça, tu sais comment ça fonctionne? Oui. Je m'appelle Anna McGrath. Entrez, nous vous attendions. Par ici, je vous en prie. Bonsoir, monsieur le juge. Est-ce que vous allez bien, madame McGrath? Oui, très bien. Nous n'avons pas beaucoup de temps, j'en ai peur. J'espère que la présence du procureur March ne sera pas une gêne. Il a préféré entendre ce témoignage en personne. Asseyez-vous. C'est la cinquième fois que nous sommes sur le point d'en finir, mais il y a toujours un juge prêt à prendre la défense de l'accusé. Et à chaque fois que nous avons débattu le bien fondé d'un nouvel argument en faveur d'Ames, le sursis a été cassé, les nouveaux éléments ayant été déclarés contestables, donc irrecevables, ce qui représente beaucoup de temps perdu pour notre administration. Rusher nous disait qu'il vous appelait Salapalooza. Une minute. Ames était paralysé par la peur. Il était terrorisé en voyant l'angoisse dans ses yeux. Il en a même lâché son flingue. A tué McGrath. Ils se connaissaient, c'était pas un accident. J'ai cru que vous étiez parti en vacances. Mais presque. Alors ouvrez bien, grondez vos oreilles. Ames est innocent. Ames vous attend depuis longtemps. Je sais. Marie. Innocent. Essayez de trouver un téléphone. Vous allez appeler le shérif de Gilton en Géorgie. Demandez-lui de se rendre à un magasin appelé Blom's Base et Taco. Jerry protège Tatum. Ça s'écrit B-L-O-H-M-S. Quand il y sera, dites-lui qu'il appelle le juge de Barton en Floride. Le juge Carter Landis. Barton en Floride. J'ai retenu. Il est innocent, Weston. M, c'est innocent. Qui a dit ça, là? Je la connais. Une cargaison de marijuana. Mais McGrath l'a appris. Alors on a utilisé Ames comme pigeon. McGrath a surgi d'un coup. Je me demandais ce que pouvait foutre Rusher. Il est dur à comprendre, je sais, c'est à cause... Dur à comprendre? Je pense que seul un expert arriverait à comprendre ce qu'il raconte. Ou peut-être apprendrait-on que c'est un faux. L'affaire est entendue, votre honneur. Si c'est tout ce que vous avez à nous proposer, c'est assez mince. J'ai aussi une pellicule. Ce sont des photos de Tatum vivant que le photographe a réussi à prendre quand on y était tout à l'heure. Mais où se cache-t-il actuellement? Gouverneur, écoutez-moi. Vous devez suspendre cette exécution parce qu'on présente de nouvelles preuves devant le juge Landis en ce moment. Gouverneur, s'il vous plaît, écoutez-nous, je vous en prie. Personne ne vous a prévenu parce que ce n'était pas possible. Lui-même a affirmé qu'il ne voulait plus faire appel. Si rien ne sait pas de quoi. Ici, nous avons un téléphone. Le juge doit être au courant. Il se le juge Landis maintenant. Je ne téléphonerai pas. Gouverneur, appelez-le. Lâchez-moi. Mais l'accusé est innocent. Bientôt, il sera trop tard. Et moi, je vous autorise à rester là, à prendre les photos qu'Ems vous a demandé de faire, mais encore un éclat de ce genre et vous sortez à l'instant. Nous avons un téléphone et le juge connaît notre numéro. Non, c'était un petit peu avant ça, là où il parlait à Marie de l'instant où il a vu Rusher tirer sur Jackie. Écoutez, je dois vous avouer que je ne reconnais plus la voix. C'est hors de propos. Nous n'avons pas le temps d'argumenter, votre honneur. Le temps nous manque. Est-ce qu'on peut leur demander de suspendre l'exécution, le temps de vérifier mes dires? Mais bon Dieu, nous avons eu 7 ans pour enquêter. Ce procès nous a tous fatigués. Nous avons eu 2 appels en audience et puis 4 appels successifs pour différer l'exécution. Et vous voulez qu'on recommence pour des soi-disant preuves qu'on ne peut vérifier votre à l'instant honneur, même? Il est trop tard maintenant, le temps presse. Oui. Bien. Nous avons eu un procès régulier et juste. Ames a été convaincu de meurtre par un jury. Ce jury l'a condamné à mort parce que la victime était un représentant de la loi. J'ai beaucoup trop de respect pour elle. Cette loi reflète les désirs de tous les citoyens de cet État. Et je ne peux agir contre leur volonté. L'appel est rejeté. Je comprends ce qui vous motive. Croyez bien que je regrette. Mmh.
Donnez-moi une minute. Ray, t'as vraiment du courage. Alors il faut continuer. Ce sera rapide. C'est dur, je sais. Merci. Le circuit. Vous n'avez pas le droit! Stop! Arrêtez! Éloignez-le de la fenêtre! Arrêtez! Enfin, s'il vous plaît, que quelqu'un décroche le téléphone et vite! Comprenez-moi, lorsque j'ai la preuve qu'un crime a été commis, je suis obligé de prendre les mesures nécessaires comme c'est un policier dans la rue qui constate. Dieu soit loué. Salaud! Arrêtez, assassin! Arrêtez! Vous êtes des assassins! Salaud! Lâchez pas, bordel! Je lui dois au moins ça. Poussez-vous. Attention. Docteur. Stanton. On vient de l'exécuter. Thank you.